Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux aujourd'hui de nous retrouver pour ce moment de culte. Ensemble, nous allons unir nos cœurs et nos voix pour louer et célébrer Dieu notre Père, alors que nous allons lui chanter nos louanges, que vraiment nos cœurs soient unis au cœur de Dieu, en lui laissant tout ce qui est lourd à porter pour nous aujourd'hui. Et comme il nous le dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Si vous me cherchez de tout votre cœur, alors tous ensemble, nous allons le chercher aujourd'hui parce qu'il désire vraiment se révéler à nous. Nous allons chanter « Entends nos cœurs » suivi de « Hosanna ». Qui te loue,
Je voudrais vous lire un extrait du psaume 1 qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui nous dit ceci. « Voici l'homme heureux.
Il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au beau moment. Et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Cette parole pourrait illustrer parfaitement ce que seraient nos vies si nous choisissions de rester attachés fermement à la parole de vie, cette parole qui veut nous nourrir quotidiennement. Jésus est la parole source de vie en abondance. En le laissant régner dans nos cœurs, renouveler nos pensées, conduire nos pas, nous serions plus sous la domination de nos propres pensées, de nos mauvais désirs aussi parfois, et de toutes nos difficultés. Et nous porterons alors du fruit au bon moment. Nous ne fanerons pas non plus à cause des éléments extérieurs qui peuvent nous agresser, mais nous serons renouvelés, comme le dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur s'use petit à petit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Je vous invite à chanter les deux chants suivants, Ta parole suivie de Ma passion. Je veux avancer en sécurité sous les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main accomplie. Ta parole
dernière lecture pour aujourd'hui est dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Remercions Dieu par le Christ. Il nous emmène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est comme une bonne odeur qui se répand partout. Ce passage nous dit encore et toujours qu'en restant attachés à la parole, attachés à Jésus, nous aurons tout pleinement en lui. En lui est notre victoire. C'est lui qui nous délivre de ce qui nous fait du mal. Il nous libère de ce qui nous rend captifs. Et il est aussi celui qui nous guérit de nos maladies, de nos blessures intérieures et bien d'autres. Mais vraiment, si nous le voulons, nous pouvons saisir cette immense grâce de marcher dans le défilé de sa victoire en toutes choses. De cette façon, nous serons aussi cette bonne odeur du Christ qui se répand partout. Chantons ensemble celui qui nous sauve avec puissance et restons attachés à lui à chaque instant. Nous serons surpris de voir tout ce qu'il peut encore faire par amour pour nous et pour le monde. Chantons « Sauve avec puissance » suivi de « Seigneur par la clarté ». Sauveur,
Maintenant, je vais donner la place au pasteur Jeff qui va nous apporter le message que Dieu a mis sur son cœur pour nous édifier et nous encourager. Et quant à vous, soyez bénis et renouvelés. Seigneur, merci pour ce moment de louange, ce moment d'être perdu dans ta présence. Et merci que, Seigneur, tu es vraiment ici, avec nous ce matin. Tu as promis que tu nous as remplis avec ton esprit. Tu as très clairement communiqué ton amour pour chacun de nous à la croix. Tu es victorieux. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce moment de louange et aussi pour ta parole. Nous prions que tu nous guides, conduises ce matin comme tes petites brebis, comme tes enfants ce matin. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais laisser la place à Stéphanie pour lire 2 Rois, chapitre 5. Donc, 2 Rois, chapitre 5. La guérison de Naaman le Syrien. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange, et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le, il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ?» Il tourna le dos et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et lui dit, « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici,
à moi, ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. Élisée lui dit, pars dans la paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même, « Mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. » Géasi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda « Est-ce que tout va bien ?» Il répondit « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, deux jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté des prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. » Naaman dit « Accepte de prendre 60 kilos. » Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs, lui donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui. Puis il renvoya ses hommes qui partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit « Ton serviteur n'est parti nulle part. » Mais Élisée lui dit « Mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. » Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Merci Stéphanie. Peut-être c'est un texte bizarre pour parler par rapport à le baptême. Un peu, mais ça parle de quelques éléments qui sont importants pour nous aujourd'hui. Nous voyons qu'il y était cette fierté, cet orgueil en Naaman, où il a dit qu'il y a vraiment quelque chose de plus complexe que Dieu a commandé. Mais en fait, c'était un truc simple. Laver cette fois dans le au Jourdain et être pur. Et il était en colère. Pourquoi? Parce que c'était le serviteur d'Alessi qui était là. C'était les choses humbles qui sont présentées à lui pour être pur. Et pour lui, c'était les instructions simples. C'était pas le roi, c'était le prophète. Et pas le prophète, en fait, c'était son serviteur. Et c'était le Jourdain et pas la rivière de Damas. En fait, c'était comme Naaman a dû accepter les conditions de Dieu et pas ses propres conditions pour être pur. Ils sont totalement différents. Et c'est. J'aimerais beaucoup faire la séparation entre les traditions qu'on a, parce que chacun de nous avons les traditions corporelles comme Église, mais aussi personnelles. Et nous venons vers Dieu avec nos propres perspectives, souvent. Et c'est ce que Naaman a dit aussi. Et il était lépreux. C'est un signe dans l'Ancien Testament du péché. Dans sa vie. C'était quelque chose, le roi ne peut pas acheter ou réparer. Ce n'était pas un endroit en Damas, son propre région. C'était quelque chose qui était dessiné par Dieu. Tournez avec moi à Jean chapitre 1.
Je vais lire verset 25 jusqu'à 33. Jean 1, 25 à 33. C'est Jean-Baptiste qui parle par rapport de Jésus là. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas ni le Messie, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui qui est à propos duquel j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Alors, on peut déduire que Jésus est venu pour baptiser avec le Saint-Esprit, qui est bien. Mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire le baptême? J'imagine qu'il y a plusieurs dans cette salle qui sont baptisés déjà, pour la plupart. Il y a les gens qui voudraient être baptisés. Et il y a en application quelque chose qu'on peut prendre de ce texte de Naaman, en du roi, mais aussi de les autres textes par rapport du baptême. On a Actes chapitre 2, quand Pierre a prêché, c'était Pentecôte, et il y avait environ 3 000 hommes qui sont convertis, baptisés. Et ce jour-là, Pierre a dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et ça a commencé avec la repentance. On a aussi l'eunuque, en Actes chapitre 8, et il était là et il a demandé à Philippe, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois en tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ensuite, il était baptisé. On a aussi les non-juifs qui sont convertis dans la maison de Corniel, Actes chapitre 10. Qui a reçu le Saint-Esprit avant qu'ils soient baptisés? Et Pierre aussi, il a dit pourquoi pas baptise-les parce qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit comme nous. Et c'est intéressant parce que c'est un peu différent dans chaque instance. Et je trouve que quand les Écritures sont un peu floues, c'est avec bonne intention. Dieu a raison. Parce que nous avons l'habitude de faire les repères dans notre foi et commencer à marcher dans le même chemin. Comme nous sommes arrivés aujourd'hui, j'imagine chacun de nous a pris le même chemin que le dimanche dernier ou la dernière fois. Nous formons les habitudes. C'est en nous, c'est ce que nous faisons. Et c'est la même chose que Naaman a essayé de faire aussi. Je vais acheter mon salut. Je vais donner quelque chose pour être égal avec cette œuvre qui était commise, qui était
qui m'a touché. Et c'est intéressant que Dieu, il a laissé l'argent et tout dans les mains de Naaman. Pourquoi? Principalement, Dieu n'a pas besoin d'argent. Il connaît tout, il possède tout. Mais aussi, c'était pour montrer. Ce n'est pas le but, ce n'est pas la chose. Ce n'est pas l'objectif de le prophète de Dieu, de gagner de l'argent. Il était là pour partager le salut, pour donner la vie où il y avait la mort. Et pour nous, nous voyons, en fait, Jésus nous a commandé de baptiser les gens, les disciples. C'est notre mission. C'est Matthieu 28, 19 et 20. Allez, fais les disciples partout et baptise-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Enseigne-les. C'est notre boulot, quoi. Comme les croyants. C'est ce que nous devrons faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le baptême? C'est l'inclusion dans le corps de Christ, un seul corps. C'est être identifié avec Jésus. C'est 1 Corinthiens 12 qui dit, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Aussi, nous sommes les nouvelles créations, selon 2 Corinthiens 5. C'est un renouvellement en nous. Cet salut que nous avons, mais c'est connecté avec le baptême. Ce n'est pas le baptême qui est obligatoire pour être salut, pour recevoir cet salut de Jésus, mais c'est un témoignage de ce que Dieu a fait en nous. C'est aussi quelque chose un peu mystérieuse. Parce que nous sommes, selon Romains 6, baptisés. C'est comme nous sommes entombés avec Jésus, avec sa mort, et ressuscités avec lui de l'eau aussi. C'est intéressant. C'est un peu bizarre pour nous parce que ce n'est pas notre culture. Nous aimerions avoir quelque chose de plus clair, plus facile à comprendre. Mais nous sommes lavés comme Naaman. Et c'est quelque chose qui c'est réglé par Dieu. Selon Galates 3, verset 27, en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est cet acte comme témoignage qui est l'évidence dans une manière, en fait c'est commandé, c'est un acte d'obéissance, simplement, un acte d'obéissance pour nous d'être baptisés en Christ. Et mais pour nous, comme j'ai dit, il y a les gens qui voudraient être baptisés. Quelle est l'application aujourd'hui? Bah, c'est simple, être baptisé. mais pour tout ce qu'il reste, nous qui a passé les années, nous sommes tous. Moi, j'étais baptisé il y a longtemps. J'imagine que vous aussi. Pour la plupart, est-ce que nous avons remis l'habitude de
mis notre chemin contre les instructions de Dieu, nos attentes par le sien. Et pour nous, c'est d'avoir le foi et soumis à la volonté de Dieu en nous. Comme Naaman, nous venons avec une offrande. Nous sommes tous, nous l'avons fait ce matin. On a porté la louange au Seigneur parce qu'il nous a sauvés. Il nous protège. Il est notre berger. Nous parlons tout le temps comment nous sommes aimés par Dieu. Et c'est notre adoration qui est la seule chose qu'on peut faire pour lui. Marcher dans cette obéissance, louer son nom. Mais aussi, nous voyons que c'était un rôle. On a un rôle dans ce texte qu'on a lu en deux rois. C'est toujours un jeu que je jouais quand je lisais un texte biblique. Qui suis-je dans ce texte? Naaman, le serviteur, la petite servante juive, le roi d'Israël. Qui suis-je dans le texte? Et souvent, je trouve une illustration, une image de mon rôle, ma vie au présent. Et j'ai pensé de l'Église aujourd'hui dans le rôle de cette petite servante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Presque rien. Mais elle a mentionné, si seulement elle peut aller voir le prophète, il soit guéri. Et c'est notre rôle aussi. Nous partageons la bonne nouvelle que nous avons reçue. Pour elle, c'était dangereux. Elle a parlé à son maître. Ah oui, les choses ici ne suffisent pas. Tu dois aller voir quelqu'un qui est intermédiaire de mon Dieu. Il va te guérir. C'est impressionnant, cette petite fille. Quel courage elle a eu. Mais c'est le même pour nous. Nous avons besoin d'oser partager notre témoignage, oser partager notre foi. Parce que le père, c'est partout. C'est le péché, c'est le mort dans les vivants. Les gens sont autour de nous et ils sont perdus. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas qu'il y a un Dieu vivant. L'ignorance ne suffit pas. Pas dans notre communauté, non. Nous sommes courageux. Nous allons partager la bonne nouvelle dans notre communauté parce que c'est notre mission, c'est notre rôle, c'est ce que Jésus nous a commandé faire. Allez, faire les disciples. Et pour nous, on peut revenir à la simplicité de bonne nouvelle. C'est simple. C'est simple. Je crois que Jésus est le Messie. Il a la capacité à enlever mes péchés. Il est le Fils de Dieu. Après ça, nous apprendrons ensemble ce qu'il est. Peut-être nous demandons, donne-moi la terre pour que je peux louer le Seigneur. Et en reconnaissant ce qu'il a fait. C'est obligatoire que nous marchons, nous agissons dans cette obéissance. Et pour la gloire de le Père seul. C'était le piège pour le serviteur qui a allé chercher d'argent. C'est intéressant, j'ai cherché après. Josué 7, on a lu l'histoire de Achan il y a quelques semaines. C'était l'argent, l'or et les habits. C'est la même chose qu'ici. Mais
tout est pour la gloire de Dieu. Comme on a lu en 2 Rois 5, 26, Élisée lui dit, « Mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce que le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ?» Pour nous, nous avons besoin de vivre pour le royaume à venir. Nous sommes tous les citoyens, les co-citoyens du ciel. Et c'est là où nous habiterons toujours ensemble. J'aime ce texte de Luc 12. Je sais que je saute souvent dans les textes. Si tu as besoin de tous mes repères dans les écritures, je vais te donner mes notes. Mais Luc 12, 32 à 34. « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor impuissable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où le mythe ne détruit pas. En effet, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Ce n'était pas à dire qu'on a besoin de vendre tout ce qu'on a, mais marcher dans cette obéissance et garder le point principal, c'est quoi? Là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Nous faisons les investissements de nos temps, notre argent, nos jours, nous pensons de les choses tout le temps comme la motivation de nos vies. Et là, nous voyons qu'on a un trésor immense en Jésus. Les roues sont d'or. La plus grande chose qu'on peut imaginer ici, sont marchés au-dessus, au ciel. Et aussi, on doit éviter d'ajouter quelque chose aux Écritures. La tradition, si, on a tous la tradition, mais c'est quelque chose qu'on a besoin, c'est un cold raid, marcher entre la tradition et la vie biblique et comment ça s'applique à notre vie et tout, pour rester avec une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, animée par le Saint-Esprit. Et c'est le but pour chacun de nous ce matin. Amen. Amen. Aussi, comme cette petite servante, on peut intercéder pour les autres. Même si c'était son maître, elle était esclave, elle a intercédé. Et nous pouvons faire la même chose. Au boulot, avec copains, copines qui nous ont blessés, dans toutes les circonstances. Si nous avons le discernement, nous voyons quelqu'un qui fait quelque chose de mal, on peut prier pour eux, intercéder pour eux. Et même dans les relations compliquées, la solution plus forte est toujours la prière, parce que ça c'est une fondation dans cette relation qui c'est fondé sur quelque chose qui est spirituel et pas charnel. On peut rester ferme dans cette bâtiment-là. On peut construire une maison vraiment établie. C'est pourquoi nous osons partager notre foi, partager notre espérance qu'on a, la joie qu'on a. Nous sommes les gens qui sont reçus les grandes choses du royaume de Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci beaucoup pour
ta parole. Merci pour cette fait que nous pouvons être plus proches à toi, que nous pouvons être en part de ton cœur. Je prie aujourd'hui pour chacun de nous que tu nous animes. Ouvre nos oreilles de t'écouter. Donne-nous les cœurs pour que nous t'obéir dans chaque circonstance. Merci aussi que nous avons l'opportunité d'être les témoins aux extrémités de terre. Au nom de Jésus, amen.